Bonjour, je m'appelle Alain Ferrand, je suis psychologue clinicien, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris et du groupe lyonnais de psychanalyse Rhône-Alpes. Je suis également professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'Université Lumière Lyon 2. Et je vous présente rapidement le livre publié aux éditions RS, livre qui s'intitule Les dédales de l'emprise entre tyrannie et création. L'emprise occupe régulièrement la une des médias en étant synonyme de servitude, d'asservissement, de tyrannie. Il me semble que cela recouvre un seul champ de l'emprise, ce qu'on pourrait appeler l'emprise de mort, mais que l'emprise recouvre un champ beaucoup plus large que ça, et en particulier, elle a une fonction nécessaire, sinon essentielle, dans le travail de création, et plus largement dans le travail de relation, de communication qu'un sujet peut entretenir avec un autre sujet. Il se trouve que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'étais animateur d'un terrain d'aventure, d'un espace à l'intérieur duquel les enfants, les préados, venaient construire des cabanes. Et j'avais été frappé par le fait que ces enfants passaient des heures, sans qu'ils soient contraints du dehors, passer des heures à construire, défaire, améliorer, perfectionner leur cabane, et qu'ils ne comptaient pas le temps qu'ils passaient à ça. Un petit peu comme le musicien qui passe des heures en répétition, ou l'écrivain qui passe des heures à peaufiner son style, ou le peintre qui s'interroge sur telle ou telle tâche de lumière ou de couleur qu'il va pouvoir poser sur le tableau. La contrainte, en somme, était interne. Il s'agissait de peaufiner la cabane, de peaufiner la musique, de peaufiner le tableau, de peaufiner l'écriture, pour que quelque chose soit à la fois un bel objet, mais surtout un objet qui communique quelque chose, un objet qui permet d'entrer en lien avec autrui. Donc, l'emprise se présente sous deux aspects. Et en ce sens, j'essaie d'extirper l'emprise de cette valence négative qu'on lui attribue constamment. J'essaie de montrer que l'emprise en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, mais qu'elle peut soutenir le travail de création, le travail de communication, comme elle peut également être utilisée à des fins mortifères, de tyrannie, d'asservissement d'autrui. Je me suis donc interrogé sur la place de l'emprise dans le travail de création et sous l'angle précis du style. Pour cela, j'ai travaillé avec quatre auteurs et une autrice du 19e, du 20e et du 21e siècle. Et puis, j'ai essayé de montrer qu'à travers le style, ils essayaient de nous communiquer, à travers tout le travail qu'ils développent, ce que j'appelle le travail d'emprise pour la construction du style, qu'ils essayaient de nous communiquer des éléments qui relèvent de leur histoire la plus précoce. Éléments qui ne passent pas par les mots, éléments qui ne passent pas par la narration, qui ne passent pas non plus par l'intrigue, mais qui passent par les effets de style. Et puis, d'un autre côté, en m'interrogeant sur l'emprise mortifère, j'ai essayé de tracer le portrait robot du tyran, en essayant de comprendre à quelles conditions précoces l'emprise peut tout d'un coup perdre sa fonction organisatrice, nécessairement pour le travail psychique, pour le corps, pour la motricité, mais qu'elle va tout d'un coup virer en devenant un moteur de l'asservissement. Donc j'ai travaillé sur ces deux volets, en quelque sorte, de l'emprise, avec l'idée que il faut essayer de penser l'emprise non pas dans son négatif seulement, mais aussi dans ses potentialités organisatrices. Ce livre est destiné, bien entendu, aux psychologues, à ceux qui s'intéressent à la création, et puis aux étudiants en psychologie. Bonne lecture.